Waouh! Mais comment les gens peuvent-ils faire encore des trucs pareils? Mais j'ai du mal à y croire, j'ai l'impression que le monde va de mal en pire. C'est incroyable. Mes frères et sœurs, c'est incroyable. C'est bizarre, en même temps c'est étrange. Une femme se balade dans les églises pour fabriquer des miracles. Et puis tout le monde crie, gloire à Dieu, gloire à Jésus. Est-ce que ce sont des histoires? Est-ce que nous sommes même en train de rigoler avec vous? Ah, cette femme-là, elle a un bras. Regardez, son bras là. Il y a un qui est court, qui est plus court que l'autre. Et ça fait un truc comme ça, elle est obligée de... Non! Comment est-ce que monde peut-il expliquer un truc pareil? Ok, suivez-nous, allons au studio, nous allons voir ça ensemble. Vous serez même dépassé. Partagez cette vidéo maintenant. C'est parti. Quoi? Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons comprendre pourquoi Dieu veut que le salut soit personnel et que nous commencions par le chercher nous-mêmes d'abord avant d'aller voir qui que ce soit. Parce que ça, c'est pas de la blague. On voit une femme en mutation. Elle va se transformer. Et ce bras-là est ici. Un bras hors du commun qu'elle transporte dans toutes les églises pour faire de faux miracles. D'après l'information que nous avons reçue. Et les images sont là. Quand le pasteur prie, son bras était là, comme ça, se transforme en un bras bien long. Ou encore un bras normal. C'est étrange. Mais c'est exactement ce de quoi il s'agit ici. C'est un mystère que nous voulons élucider, nous voulons résoudre. Et si vous pensez que c'est de la blague, ça fait déjà le buzz sur internet. Et voici ce que ça donne en réel. Regardez ça. En vrai, voici ce que ça donne. Regardez bien. On va prier pour elle. Le pasteur va prier pour elle. Pour chasser le démon qui est logé dans le bras. Et une fois que le démon est parti, le bras va retrouver son état normal. Mais comment se fait-il qu'elle arrive à se balader dans toutes les églises avec le même bras? Bon, vous allez voir ça tout de suite. Déjà, regardez la première image. Regardez-la très bien. Regardez vraiment très 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 bien ça. Vous allez me dire si c'est du fake ou c'est de la blague ou c'est quoi que ce soit. J'aimerais bien savoir. Mais, c'est étrange. Elle va nous montrer son super pouvoir. Vous risquez d'être surpris, même étonné. Sa transformation commence. Son bras se déploie. Petit à petit, elle saute. Elle fait un peu de la comédie. Et voilà. Un peu d'action. Vous savez, dans les églises, les gens aiment bien ça. Les trucs pareils où les gens font des miracles, on ne comprend pas d'où ça vient. Et finalement, le bras qui était court s'est allongé et elle tombe sous l'onction. Exactement comme ce qui se passe en pleurant, en nous montrant à tout ce qui a été touché et tout. Mais elle dit, il y a ce bon, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? On n'a pas encore fini de regarder. Et puis tu dis que c'est du fake, c'est de la blague. Bon, d'accord, il n'y a pas de souci. Maintenant, nous allons vous montrer un truc. Ha! Si ça n'avait pas été capturé là, peut-être que vous penserez que ce serait même vrai. Beaucoup de personnes allaient dire gloire à Dieu même. Maintenant là, dès qu'on voit un miracle, on va d'abord analyser pour voir si c'est vrai. Parce qu'il y a un gars qui était même couché dans un cercueil. On a cru qu'il était mort, mais il respirait. Un gars qui respire, qui a été ressuscité. Regardez ici. Voici les images. On a trois personnes. Non. En fait, une personne qui a... C'est tout simplement habillé de différentes façons. Et comme vous le voyez, on a l'impression que c'est la même personne. La même stratégie. Le même truc. C'est le même business. L'image numéro 1 est ici. Regardez bien le bras. L'image numéro 2 est ici. Numéro 3. Ici, numéro 3. Et ce que nous venons de regarder. Vous pouvez penser que ce sont des histoires. Si nous n'avons pas montré les vidéos, les différentes vidéos, vous pouvez penser que ce sont des histoires. Vous pouvez penser même que c'est de la blague. Maintenant, est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes même prêt? Ok, c'est parti. Regardez ça.
Vous voyez ça? Est-ce que c'est de la blague? Est-ce que ce sont des histoires? Elle est ici. Encore ici. Et enfin, dans différentes églises, différents pasteurs, et les pasteurs vont l'utiliser pour faire des miracles. Ou pour montrer aux gens qui sont capables de faire des miracles. Regardez. Est-ce que le pasteur même est courant, même que la femme là, elle est capable de faire des trucs pareils? C'est la question que je me pose aussi. Mais regardez vous-même. Si ce n'avait pas été filmé, vous ne l'aurez pas cru. Quel mystère! Quel don elle a pour pouvoir faire des trucs pareils? Et le pasteur fait le buzz avec ça. Hein? Du genre, il dit que tout le monde en croit qu'il est capable de rallonger son bras ou bien réparer son bras. Vraiment, c'est étrange. Et c'est la même chose qui va se passer. Vous voyez, il y a même tas de bruit pour pouvoir guérir la personne. Regardez comment les gens sont faits tas de tapage, on ne comprend pas. Et il a arrêté de faire son business, il a arrêté de faire ses trucs, ses mouvements. Et au fur et à mesure qu'il fait son mouvement, on a l'impression que le bras se déploie. Or, la femme, elle est très forte dans ça. Ça m'étonne quand même, hein. Regardez. Et le bras s'allonge. Vous voyez? Comme vous voyez, c'est pas de la blague. Regardez. Et elle fait la même chose. Le bras va s'allonger. Où est la différence entre ça et puis ce que nous venons de voir? Et elle retourne, elle va en arrière. Comme c'était l'onction, comme ça venait de tomber sur l'onction. Et regardez comment il y a un tapage à l'église, un chanteur de cri. Oh Dieu merci! Ah Dieu t'es joli! Merci, tu l'as guéri! Oh I ah! Regardez. Et ce qui est mauvais dans ça, c'est que les gens de l'église sont passés par ce miracle pour venir maintenant se prosterner. Regardez, regardez la fille, revenons un peu en arrière, vous allez voir, ça m'étonne. Eh Seigneur Jésus, on vous a fait quoi, mais vous, tous les gens de l'église, on vous a fait quoi? On vous a fait quoi, les fidèles? On vous a fait quoi? Est-ce que Dieu vous a. Qu'est-ce que Dieu vous a même dit? Regardez, la fille vient, elle s'assoit, elle se met au genou. Elle se met au genou, l'autre aussi saute. Regardez, revenons en arrière, vous allez voir. Vous allez voir comment vous finissez de sauter sur les pieds du pasteur. Du genre. Comme si c'était Dieu même qui était là, quoi. Regardez, elle vient se prosterner, elle attrape son pied, l'autre aussi veut se jeter. Eh non, les gens à l'église, mais souvent ils souffrent. Hein. Ça, c'est la seule souffrance. Les gens ne veulent pas écouter ce que Dieu dit, ils sont de faire les n'importe quoi. Dieu est là-bas sur son trône, il vous regarde en train de faire des trucs bizarres. Parfois, mais il rit, il se moque. Il rit. Et voici encore un autre pasteur qui a fait ça. Tu vois, c'est encore utiliser la même femme. Est-ce que les pasteurs sont au courant que la femme fait des trucs pareils? Il fait le même point bizarrement. C'est pas de la blague. Vous pouvez penser que ce sont des histoires. Mais elle a des choses à nous montrer encore. Elle pleure même. Elle fait du théâtre. Elle fait du. Oh, elle est faute dans ça. Est-ce qu'elle est payée pour faire des trucs pareils? C'est bizarre. Et le peuple est là, elle est là. Elle est la même chose. Elle est la même chose. Le truc est filmé, toi tu viens faire un truc pareil. Si c'est fait, et le pasteur lève sa main à distance. Des gens comme s'il va lancer l'onction ou même pouvoir agir sur le bas. Et regardez comment il a dit de bouger son visage. Il y a même des vrais pasteurs même qui sont confrontés à de telles choses, hein, à de tels problèmes. Des gens viennent à l'église. Ils se font passer comme des gens qui sont malades et puis ils font semblant d'être guéris ou bien ils blaguent le pasteur comme si le pasteur a prié et ils ont été guéris ou bien le miracle s'est produit. Oh, c'est faux! Toi, maintenant, tu vas devenir orgueilleux et c'est là ta chute va se créer. Regardez! Elle pleure, hein? Seigneur Jésus, quoi! Elle pleure! Ah, c'est à cause du Seigneur Jésus, les gens deviennent de plus en plus insensibles.
tu pleures même, tu mens, tout ça. Hey, c'est comme des films. Est-ce que c'est une télé-réalité? C'est pas de la blague. Regardez. Et le bois encore va se déployer. Regardez le bois, c'est la même chose, c'est la même chose. Regardez. Elle fait semblant comme si ça fait mal. Et lui aussi, il avait bougé sa main comme si c'était trouvait dans un film de Jack Lee. Regardez. Ouais, comme c'est bizarre. C'est pourquoi beaucoup de pasteurs, de faux pasteurs sont en train d'être exposés sur Internet. Les gens ne rigolent plus. Les gens veulent savoir. Ah, le gars n'était pas mort. Vous dites que vous l'avez ressuscité. Elle dit que son bras est court. On regarde, son bras n'est pas court, c'est long. Elle s'amuse même à allonger ça. Le pasteur n'est pas au courant. C'est un match de football. Qui va marquer? Le pasteur est à distance. Hein. Regardez. Qui va marquer? Qui va marquer? Et elle a l'impression que le but va me voir mettre dans le. Oh! C'est pas de la blague. Oh, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les églises. Ne vous laissez pas, ne vous faites, laissez pas avoir par les tels trucs. Ne vous faites pas avoir. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les églises et on dit que c'est Dieu qui est à la base de ça. Or, Dieu n'a rien à voir avec ça. Dieu n'a rien à voir avec ça. Regardez le monde qui est dans l'église. Eux, ils ne sont pas au courant qu'il y a un truc pareil. C'est pour toutes les personnes qui ne sont pas au courant qu'il y a un truc pareil que nous faisons cette vidéo. Ah, mes frères et sœurs. Il est préférable de guérir que de. Il est préférable de prévenir que de guérir. Si on vous a pas montré ça, vous avez pensé que Dieu vous a rien dit. Il y a des gens qui ont dit, ah, mon Dieu, tu es joli, mais tu m'as rien dit, hein, quand même, fallait m'informer. Fallait m'informer, on n'a jamais vu ça. Tu n'as jamais vu ça, maintenant tu vois. Nous avons trois chaînes. Plus sur ce moment, c'est la page d'accueil. Et regarde, trois autres chaînes. Yon sur bon 2, yon sur bon 3, yon Steam. Abonne-toi à ces chaînes, et sans doute tu verras des choses encore plus graves là-bas. Notre travail. C'est de sauver des âmes. Ah, moi-même que je suis tombé sur ça. Vous savez ce que j'ai dit? J'ai dit, mais ah, ça c'est quoi ça encore? C'est du nouveau? Ah! Est-ce que vous pensez que Dieu n'est pas fort? Mais bien sûr que non. Dieu est trop fort pour pouvoir blaguer avec les gens. Est-ce que vous pensez que Dieu ne peut pas ressusciter les morts? Ah! Est-ce que vous pensez que Dieu n'est pas capable de changer la vie de quelqu'un? S'il y a bien une chose qui intéresse Dieu en ce moment-là, je vais vous dire la vérité. Il faut que quelqu'un vous dise la vérité. S'il y a bien une chose qui intéresse Dieu en ce moment-là, ce qu'il intéresse, ce qu'il veut, ce qu'il y a même dans son cœur. C'est que les gens abandonnent le péché pour s'accoucher à sa parole et qu'ils la mettent en pratique afin que eux puissent juste être sauvés. La parole de Dieu est là, vous courez après les miracles. Mais toi, fais le miracle est fini. Puis t'en vas, tu vois, je suis femme. C'est comme un gars qui se trouve dans l'église. Lui, son problème, c'est que lui, il était aveugle. Aveugle, depuis sa naissance, c'était aveugle. C'était vraiment grave. Ça, c'est une histoire qu'on va raconter. Moi, je vous raconte ça. On dirait que lui, il était aveugle. Maintenant, on envoie à l'église. Le pasteur a prié. Ses yeux se sont ouverts. Oh, gloire à Dieu. Ses yeux se sont ouverts. Le miracle s'est produit. Tout le monde était décrié. Oh, ah, le miracle s'est produit. C'est extraordinaire. Pendant que les gens étaient décriés, lui, il est d'abord étonné. Et puis, en même temps, il est en même temps surpris de savoir qu'il y a des choses dans l'église. Il faut le voir regarder comme ça, à gauche, à droite, de droite, à gauche. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il est là, ce qu'il regarde, sont les femmes. Il regarde. Il dit, ah bon, tout ce comme ça, il y a les jolies femmes dans l'église ici. Dès que j'ai vu ça. Il n'arrive pas à mettre Dieu. Ça, c'est une histoire qu'on nous a racontée. Mais ça ressemble à ça là. Il y a un tas de choses bizarres et les gens pensent que c'est Dieu qui l'a fait. Et dis à ton pasteur, rentre au coin de ta chambre. Va bien parler à Dieu. Il faut dire Dieu, tu es joli. Mes yeux que tu m'as donné là, ça ne voit pas bien clair. Tu es bien ouvert mes yeux là encore.
afin que moi je puisse voir ce que je dois voir. Ah! Nous devons faire attention. Est-ce que ce pasteur-là savait-il que c'est cette femme-là? Elle est allée dans une autre église pour faire des trucs pareils. Peut-être ils vont dire qu'ils ne sont pas au courant. Mais tu as dit que tu es un prophète et que tu vois. Et que Dieu te révèle les trucs. Comment Dieu ne t'a-t-il pas révélé qu'il y a un problème ici? C'est là maintenant, les gens vont bien s'interroger pour chercher à savoir est-ce qu'il y a vraiment de vrais pasteurs ou des hommes de Dieu. Parce qu'on dit que le pasteur c'est une fonction. Et que homme de Dieu là, c'est Dieu lui-même qui a choisi quelqu'un. Même si cette personne n'est jamais allée à l'école, si Dieu l'a choisi, elle peut faire tout. Parce que c'est Dieu qui fait le travail. Et c'est Dieu qui voit au travers de cette personne. C'est Dieu qui parle à cette personne. Comme Moïse, quoi. C'est à cause de ce genre de choses, les gens disent que les prophètes ne sont plus de ce monde, c'est fini. Il n'y a plus de prophètes. Il n'y a plus de miracles. Dieu existe toujours. Il est fort pour sauver. Sa main n'est pas courte pour vous aider. Mais le problème, c'est que vous devez vous le rencontrer d'abord. Et il faudrait que ça soit en esprit et en vérité. Devant les gens. Et quand vous êtes seul dans votre chambre. C'est comme ça que ça se passe. Bon, dites-moi ce que vous avez passé. Et pour la prochaine vidéo. Ne manquez pas de regarder la vidéo qui apparaît ici. Vous serez encore plus surpris que surpris. Et c'est parti pour la prochaine vidéo. Let's go.